Un plan national qui vise à relier toutes les régions de l'Algérie au réseau ferré, afin d'atteindre un réseau long de 12 000 km à la fin des travaux. L'un des objectifs primordiaux est l'aménagement de la rocade nord qui s'étend sur un linéaire de 1 822 km de voies ferrées, afin d'augmenter sa vitesse qui devrait atteindre 160 à 220 km/h, sans oublier de veiller aussi sur sa dotation avec les derniers systèmes de signalisation et de communication qui sont aux normes internationales. Le choix de cette ligne n'est pas fortuit, car elle est considérée comme l'épine dorsale qui relie tout le réseau ferroviaire à travers le territoire national à toutes les autres lignes, surtout après la réalisation de la liaison avec l'aéroport Houari Boumediene.